Et donc, salut à tous, c'est Funpower, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Donc, pour la démo de FIFA 15, donc il y a un problème en fait sur PC, donc je vais régler ce problème, donc je vais vous expliquer comment on règle ce problème. Donc, je voudrais remercier MaxLab42, je mettrai sa chaîne dans la description, parce que c'est qu'un peu grâce à lui que j'ai réussi à le faire aussi, donc voilà. Merci à toi, MaxLab. Ensuite, donc, comment. Donc, déjà, pour avoir FIFA 15 la démo, il faut aller sur Origin et télécharger, c'est gratuit. Après, allez, ça dure 1 heure, 1 heure 30, 2 heures grand max. Ensuite, après vous arrivez là, vous avez un problème, certainement. Enfin, vous devez cliquer là-dessus, double-cliquer. Enfin, on va le faire d'ailleurs. S'il veut bien se mettre assez rapidement, ça serait assez cool. Donc, normalement, il va s'afficher. Bon, il va y avoir joué, machin. Bon, il va y avoir ça. Et normalement, quand vous allez appuyer sur jouer, il va y avoir un truc qui s'affiche continu, détail, qui dit quelque chose comme ça. Donc je vais pas le faire parce que moi j'ai déjà réglé le problème. Donc voilà, donc il y aura un lien dans la description. Vous allez donc cliquer dessus et télécharger ce qui est à télécharger. Parce que enfin, voilà, vous êtes sur le lien, il y a un truc à télécharger, et ben c'est ça qu'il faut que vous téléchargez, c'est ça qui va vous permettre de faire fonctionner FIFA 15. Donc vous téléchargez cette petite chose. Vous allez avoir un dossier WinRAR, du coup, après avoir téléchargé. Donc voilà, on va le faire ensemble après. Là, je vous laisse faire là. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein, tout au long de la vidéo d'ailleurs. Faites au fur et à mesure, hein, faites pas. Voilà. Vous allez avoir un fichier. Alors, vous n'aurez pas besoin d'aller le chercher, mais voilà, vous aurez un fichier qui va s'afficher, je pense, comme ça. Enfin, vous aurez le téléchargement qui sera en bas à gauche, là, comme d'habitude. Et vous aurez ça. Donc vous n'allez rien faire de plus pour le moment. Vous le réduisez. Et pendant ce temps-là, vous allez faire disque local C, programme files. Et vous allez descendre jusqu'à Origin Games. En sachant que pour avoir la démo de FIFA 15, il faut forcément Origin. Donc si vous n'avez pas la Origin, vous n'aurez pas la démo de FIFA 15. Hein. Enfin... Et si vous avez. Ouais, enfin voilà, enfin, je me comprends. Vous cliquez dessus, vous faites FIFA 15 démo. Et donc là, à ce moment-là, vous reprenez votre dossier WinRAR et vous prenez, enfin vous faites un, je sais pas comment vous appelez ça, un déplacement. Enfin, vous prenez clic gauche, vous restez appuyé, vous le déplacez ici. Alors bon, j'ai pas lâché parce qu'il est là. Et donc vous allez normalement avoir un fichier qui va ressembler, enfin qui va pas ressembler, qui va être comme ça, le DXCPL là. Vous le cliquez dessus. Oui. Donc voilà. Vous arrivez là-dessus. Vous pouvez être élitiste. Et il va falloir ces deux trucs-là. Donc il va falloir aller dans les trucs. Enfin, vous allez appuyer sur les trois petits points. Donc dans l'un, vous devriez vous trouver qui parle. Hein. Je vais tout refaire, mais voilà. Programme Files, Origin Games, FIFA 15 Demo. Voilà. Donc là, vous avez FIFA 15 Demo. Vous double-cliquez et ça va descendre. Alors moi, comme j'ai mis, ça ne descend pas, mais ça descend. Ensuite, vous refaites la même chose sur FIFA Setup. Vous descendez à FIFA config, ça descend tout seul. Voilà, vous faites OK. Vous mettez en. Alors, ça sera en none, et bien vous mettez en 11-0. Et vous sera décoché, vous faites force warp. Ensuite, vous faites appliquer. Et OK. Et là, FIFA 15 démo marche. Alors, je vais pas le faire parce qu'en fait, ça fait 2 fois que je recommence la vidéo. C'est-à-dire que. Mon FIFA bug quand FIFA 15 démo bug quand j'enregistre. Donc ben, j'arrive pas à l'ouvrir en fait en l'enregistrant, sans l'enregistrer qui arrive, mais en l'enregistrant, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc voilà, donc si ça ne marche toujours pas, eh bien envoyez-moi un commentaire, je réglerai ça avec vous. Voilà. On se dit à plus, Stéphane Power.